Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Et donc ce sera normalement le dernier épisode quotidien de Mad Max. Pas le dernier épisode de la série, hein, vous inquiétez pas, vous allez les retrouver donc toujours dans le cycle de 3 journées qu'on aura. Mais normalement le dernier épisode quotidien, c'est-à-dire que demain, si je ne me trompe pas dans mes calculs, dans mes comptes, demain vous aurez un épisode de Fallout 4 qui arrivera donc sur la chaîne donc dès demain. Normalement je devrais pouvoir tourner demain matin un épisode, le monter dans la matinée aussi et le mettre en ligne ensuite. Donc voilà. Mais pour ce qui est de cet épisode de Mad Max, nous allons donc aller chercher les différents trucs d'astico qu'on aura donc sur la... Alors pourquoi je suis aussi blindé? Ah oui, j'avais mis en super blindé pour les comment les mines. Alors on va enlever le blindage, on va tout enlever. Hop, vous allez voir. On va se mettre full vitesse. Hop, de ce côté là on est bon. Échappement normalement c'est bon. Les pneus normalement c'est pas trop mauvais. Les suspensions c'est parfait. Nitro c'est au max, jantes. Les jantes ne dérangent pas apparemment. Alors bien les mecs ça donnait un peu plus de gueule mais bon pourquoi pas. Hop. Ça je trouve ça moche. Donc je vais pas les mettre. Pour le reste, pour ce qui est de la carrosserie. Ça fait un peu trop gros, je vais prendre celle-là, tiens, pour changer. Et je vais changer de couleur. Celle-là, non. Celle-là, non. Non. Je vais prendre celle-là. Hop. Autocollant. Ah oui, c'est vrai, il y avait des autocollants, normalement. Hop. Par contre non, j'avais pas mis cette couleur là, je voulais pas mettre cette couleur là, je voulais mettre une couleur... Non, couleur c'est ici. Merci. Ce qui fait qu'on les voit pas, donc c'est naze. C'est naze. Ok les brûleurs normalement, c'est bon, brûlez-les tous, ok pourquoi pas. Donc on va aller chercher quelques petites choses ensuite, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je me suis trompé de chemin. Hop, on va passer même en vue intérieure, tiens, pour voir. Oh! J'aime bien comment on voit plus la route grâce à ce super V8. Hop. Alors. C'est censé être par où? Wouhou! Salut les mecs! Donc, nous sommes chez Gutgash, hein. Je précise. En tout cas, nous serons bientôt chez Gutgash. C'est ici, d'accord. Une relique de ferraille, un élevage asticot. La relique, je l'ai. What? Ah oui, d'accord. Les garçons, il y a deux choses à retenir sur cette photo. 1. C'était pendant la dernière tempête de neige de l'histoire. 2. Un gang local avait piégé cet innocent bonhomme de neige et cet homme a fini en bouillie. Ne vous fait à rien ni personne, papa. Oh, c'est beau ça. Est-ce que je peux m'approcher d'eux doucement? Hop, et le 1. Bam. Brise bouclier. Boum. Raté. Bam. Ah, il est mort. Non.
Boum. Et bam. Ça c'est fait. C'est joli comme endroit cependant. Et 3. Oh non, c'est pas possible. Ce serait pas une référence à Skyrim ou un truc comme ça? Non, peut-être pas. Qui était cet homme? Je sais pas qui était cet homme. Ah, je serais curieux de savoir à quoi ça fait comme référence. Ça, c'est forcément une référence, chers amis. En fait, vu le casque, je me serais dit que c'était une référence à Skyrim, mais vu qu'il était sur un trône, c'est pas bon. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un reconnaît la référence, chers amis, je serais curieux de savoir. Hop. Et normalement, là, la décharge est explorée. Parfait. Oh. La façon dont il a acheté avec désinvolture cette arme. On avait vu le prochain, il me semble. Ferraille. 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 Élevage d'asticots. Ah, j'ai pas fait la course ici, c'est intéressant. Hop. On va aller chercher le deuxième. Ça met un petit peu en jambe pour l'épisode. Hop. Oula. Ensuite, il faudra qu'on aille chercher, il me semble. On va faire quelques missions secondaires. Il y en a une chez Deepfria, en l'occurrence, c'est qui donne le dernier brûleur en fait. Donc je serais curieux de voir ce que ça donne. Ils m'ont vu? Ils m'ont vu apparemment. Ah, j'ai qu'un... Ah non, c'est bon. Hop. On va gratter du temps. Putain. Alors en vrai, faites pas ça avec une voiture, chers amis, ça va pas le faire sinon. Déjà d'une, parce que vous ratterrirez pas sur vos roues. Et de deux, parce que vous allez quand même mourir. Y'a que dans Mad Max, tu vois des voitures grimper au mur quand même. Salut les mecs. Hop. Oh, ça ressemble à un gros cul-de-sac quand même. Un gros, pardon, guet-apens. Deux de ferraille et une pièce d'élevage asticot. J'ai la ferraille. Hop. Enfin, j'ai la pièce d'élevage. Hop. J'aimerais bien retrouver maintenant la ferraille, voilà. Là voilà, bah non, c'est pas un piège. Bon bah on va se rendre chez Gudgash alors. On va aller finir ça. Parce que normalement c'est le dernier truc qui nous reste à faire chez Gudgash. Hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Projet d'élevage asticot. Hop les. De rien. Voilà. Bon appétit bien sûr. Forteresse terminée, tous les projets sont construits. Génial. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Tiens, c'est marrant, regardez, celle-là, elle a que 3... Que 3 trucs. Celle-là, pourtant, elle en a 4. Ah non, 3. Non, 4. Bizarre. Bizarre, bizarre, je l'avoue. Je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a un camp ici. Une chier de mission secondaire par là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Une décharge. Au niveau des équipements de la voiture, qu'est-ce qu'on a encore à chercher? Tiens, si je vais par exemple partir sur Archange, deux pièces manquantes. Parce qu'il faut que je l'achète là. D'accord? Là aussi, il faut que je l'achète. Ok. Ange de vitesse, il me manque le dernier moteur. Tiens, le dernier moteur, il me coûte combien déjà?
Ah, il faut que je passe à 0 dans le truc. Ok, 4100. Bah écoutez, on peut partir là-dessus. On va aller se faire le fameux camp de Scorbut là. Hop. On va essayer d'aller se TP pas trop loin. Hop, voilà. Et on va aller se le faire. Hop. Je me demande si cet après-midi j'aurai le temps de lancer, de faire un petit, d'essayer un petit live sur Twitch. Ou sur YouTube, je sais pas. On verra. Hop. C'est parti. Ok, je viens de péter un mur de maison là quand même, hein. C'est balèze. Là, je viens de péter un réverbère. On peut tout faire avec un V8 en fait, hein. On peut tout casser. Hop les. Je suis curieux de savoir la gueule du prochain quand même. Ça m'intrigue. Non, tombe pas. Bla. Wouh! Classe ou pas? Ah bah là, c'est beaucoup moins classe du coup. Alors, j'ai pas compris comment qu'elle fait pour faire ça. Mais c'est pas grave. Le voilà, le fameux. Ouh la vache! C'est celui-là? Apparemment. Hop. Casse-toi! Hop. Hop. Lance bâton de feu. Il y a un autre sniper derrière. On rechange de place. Hop. C'est parti. Hop. Ça c'est fait. Deuxième. Hop. C'est parti. Et c'est bon. Ok, tant mieux. On y va. Hop, qu'est-ce qu'il y a cherché là-dedans? Pas d'infos récupérées. Ah, il y a des infos autour? Il y a des infos autour. On va aller chercher les infos d'abord. Hop. Ah, regardez, il y a un monsieur là. Il prend le soleil. Oh merde. Je m'attendais pas à lui taper dedans, à vrai dire. C'est pas ce que j'avais prévu, comme dirait l'autre. Putain. Va vraiment me falloir de nouveaux pneus. Hein. Ça va devenir urgent. Hop. Alors. Hello, guys. Où es-tu? D'accord, sous tes espèces de tentes, là. Pourquoi pas? Hop. Avec les belles jumelles, en plus. C'est une femme. Ouais. Want to go? Then make sure to silence the war cry and choose either tower for entry. One of them even has an entrance. Less protected. Bid you good fortune, killer. Alors, sniper sur le toit, ça c'est fait. Réservoir sur les, c'est bon. Bon bah voilà, c'est génial. Quelles informations utiles? On y retourne. Marche arrière! Hop! Aïe! Marche arrière! J'ai cru le voir passer la marche arrière en fait, c'était assez violent mais. À mon avis, non. À mon avis, je me suis trompé. Hop! Donc, une relique, deux emblèmes, 10 ferrailles, une pièce. Pourquoi pas? Non, c'est faux, vous avez personne. Dégage.
Hop les. Et de deux. Et de trois. Ah. Raté. Hop. Ah, ça me gonfle. Hop. Aïe. Raté. Bam. Tiens, bouffe mon couteau. C'est bien. Aïe, c'est cool. Si vous mettez le jeu dans le noir, ça va être génial à la fin. Hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Ça, c'est l'entrée. Je vois des armes. Y'a rien en face du tout. D'accord. Même derrière là. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Et là. Y'a un de ferraille, c'est tout. Dis donc, c'est pas. C'est pas aussi gourmand que je l'aurais. Que je l'aurais espéré. Ah si, c'est là. Je suis trop con. Pas aussi gourmand que je l'aurais espéré. Par contre, c'est pas forcément du français, ça. C'est pas aussi bien rempli que je l'aurais espéré. Gourmand. Voilà que je me mets à raconter des conneries. Pour changer. Bon, de toute façon, ça fait deux jours que j'arrive pas à parler à la France. Hop, et le 3. Des munitions, c'est parfait. Peut-être trouver un couteau. Voilà, parfait. Et une balle de snipe. Ah bah, c'est encore mieux, tiens. Alors, maintenant je peux aller à droite ou à gauche? On va aller à droite. Et on va regarder là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Y'a rien du tout. Là, je peux faire le tour complet. On va boire un coup. On est à combien de soldats butés? 10 sur 37. On peut se permettre de boire un coup alors. Hop! Crac! Parfait. Ici on a de la ferraille supplémentaire. Nous sommes donc à 4. Et on a une porte qui mène à l'extérieur. Attends, je peux prendre l'arme, merci. 1, 2 et 3. Enfin, ce que j'estime être à l'extérieur, à vrai dire. Normalement. Voilà, c'est bon. Donc j'imagine qu'on va tomber sur des hommes en haut. Effectivement, ça ressemblait à une arène. Raté. 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 Chaque fois que je fais une super parade, je vous le rappelle, sur un mec qui est armé, je le désarme. Ah, bien joué. Bien joué. Aïe. Hop. Raté. Bim. Bouffe le sol, pardon. Hop, raté. Bla, j'avais oublié le double coup. Ouh, boum. Crac. Bon, ça c'est fait. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Un petit peu de ferraille. J'ai vu que j'ai pris une arme que je prends pas habituellement. Enfin, que j'avais rarement vu en fait. Surtout. Alors.
Un emblème, ça y est, on en avait deux, donc bon. On a trouvé un, c'est cool. C'est cool, cool, cool. C'est cool, cool, cool. Alors là, y a rien. Je fais quand même le tour au cas où, hein, parce que bon. On aurait l'air fin. Ça me semble plutôt bon. Donc là, je l'ai pété, ce truc-là, c'est cool. Eh ben, on continue. Pourquoi il m'affiche tout? Alors. Deux. Et trois. Donc là, on redescend. D'accord, pourquoi pas. Ouf. Hop, t'es mort. Ça, c'est fait. Oui, j'étais ton pote, je suis désolé. Hop. Dégage. Raté. Oh, je l'ai raté parce qu'il a rebondi sur le mur. Fait chier. Dégage. Raté. Comme à la parade. Ah, lâche-moi. J'ai envie d'éternuer, non? Dégage! Dégage! Vous trouvez pas que la chute de ma blague était géniale? Ah, chute de ma blague, le fait qu'il fa que je fasse tomber tous les joueurs, tous les personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des munitions? Pas envie de descendre. Ah bah si, en fait c'était bon. Cool. Hop, 6. Non, c'est pas bon, je remonte. Un instant. Heureux, chers amis. Donc, alors, on va y arriver. On va y arriver. Fou. Là-bas, oui, c'est ça. Je voulais absolument descendre par là pour voir ce que ça donnait. Si j'atterrissais au même endroit ou pas. Ouais, au final j'atterris au même endroit, d'accord. Bon. Un petit peu de ferraille. Hop. Ce qui m'en fait 7, plus que 3. Il me faut aussi une relique, un emblème. C'est là que ça m'inquiète un peu plus. J'espère ne pas avoir loupé l'emblème. Qu'il soit en hauteur ou n'importe quoi, vous savez. Alors la relique, la voilà. Rotation. La beauté c'est la vie, la famille, la beauté est éternelle. Tant qu'il y aura de la vie sur cette planète, la beauté sera, je ne peux pas l'imaginer autrement, je me sens bien, Abby. Did it die too? Beauty. Oh, question philosophique mon cher Max. Il y a une certaine beauté dans les dunes. Alors. Et là, je suis coincé. Bon. Et pourtant, j'ai loupé un emblème, une pièce. Plein de choses. Alors, par là, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, j'ai loupé plein de choses, apparemment. C'est génial! Voilà ce qui me gênait de ce côté-là.
Par contre, oui, j'ai loupé une quantité assez folle de choses. Sauf si elles sont en bas dans l'espèce de camp là. Haha! Attendez. Non, y a rien, on n'est pas dedans de toute façon. Bon, bah, on reprend tout à zéro, on y va. De toute façon, il me manque une quantité de soldats incroyable, donc. Sauf s'il y a un troisième truc. Bah non, je suis pas monté dans l'autre. Bah si, je venais d'en haut, non? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Non, j'étais pas en haut. Ah ah! La voilà la raison. Alors. On re-rentre. On repénètre, chers amis. Je sais que vous aimez ça. Hop, et on va tenter de remonter tout en haut cette fois-ci. Hop. Alors. Voilà. Le problème, c'est que je sais pas si je suis au bon endroit. Ça me dit rien. Parce que si je réapparais devant le pont, c'est stupide. C'est stupide. Bon, on y est presque. On a compris où est-ce qu'il fallait aller. C'est bon, c'est déjà ça. On n'est pas que cons, chers amis. C'est une bonne nouvelle. Hop. Hop. Excusez-moi, oula. Quelque chose qui me chatouille le fond de la gorge. C'est extrêmement désagréable. C'est ici, d'accord. J'ai été stupide, je n'ai rien vu. Ok, on est bon. Allons-y. Objectif. Ah, c'est bon. Là, les 7 derniers, c'est cool. Ça tombe bien, il me reste 9 balles. Allez, viens dé. Super parade. Raté. Dégage, mais meurs, je te dis. Oh, c'est bon, je l'ai paré normalement celui-là. Hop. Raté! Ouais, alors ça. Boum! Raté! Bam! La droite! Toi là! Bouffe mon canon! Ah bah, c'est pas ce que je voulais faire. Vraiment dommage. Bon, bah, une bonne nouvelle. On a fait un camp supplémentaire. Hop, il nous reste donc un élément de projet, un emblème et une ferraille. Qu'on doit tous trouver là-haut en fait, je pense. J'ai déjà vu l'emblème tout à l'heure. Munitions. Cool, on est passé en dessous. Enfin, on a gagné des points supplémentaires parce qu'on était déjà passé dans le précédent épisode, je suis con. Je l'avais zappé. Hop, alors, alors mon emblème, il est là. 1, 2 et 3. Hop, parfait pour l'emblème, on l'a. L'essence, la voilà. Hop. Voilà, j'aurais pu le lâcher tout simplement, mais non. Quand on est con, on est con. L'élément de projet. Ah mince, j'ai raté. 1, 2 et 3, voilà, je suis droitier, moi. Hop, éclaireur 1 sur 2, c'est parfait. La ferraille supplémentaire, et on a tout. Hop. Et voilà une bonne chose de faite. Parfait! Bon! Alors, est-ce que ça a changé de couleur légèrement? Oui, c'est un peu plus jaune en fait. Et donc, du coup, dans cette région, il nous resterait donc un camp et deux champs de mine. Un camp, oui, d'accord, il reste ce camp-là. Ok! Et donc, au niveau de tout ça, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas beaucoup avancé en fait là-dedans. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien.
Bon bah écoutez les amis, on va se téléporter donc chez Godga justement, maintenant qu'on l'a entièrement fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu et Fallout 4 qui arrivera donc demain sur la chaîne en quotidienne à la place de Mad Max. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode de Mad Max. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. Et yop.